Dans les bureaux du CGR Latte à côté de Montpellier, ça s'agite. Ce complexe de 12 salles propose pour la première fois un film documentaire engagé. Donc, Narayan, en fait, et c'est sous l'impulsion de l'association Les Artistes d'Ali Stern que le directeur a été séduit et a accepté d'inverser la tendance en proposant un film documentaire pour le public montpelliérain. L'association propose des artistes locaux, engagés eux-mêmes, comme la photographe Emmanuelle Fréget qui expose les photos des Narayan, qui sont un rituel indigène pour un retour initiatique à la terre qui est proposé en Cévennes avec Anne Bataille. Il y avait également un concert de Hong par Alexandre pour détendre le public. Après la projection du film, était invitée une association locale, La Graine, qui a débattu avec le public sur la monnaie locale. Le concept plaît et se multiplie dans d'autres CGR. Ça, c'est une clé pour mettre En quête de sens. Mais là, tu l'as pour le 2, hein, En quête de sens. Si vous aviez vu En quête de sens, qui est déjà sorti il y a quelques mois, il abordait déjà quelques-uns de ces sujets. Mais le film demain nous invite à inventer la suite, à agir et présente de vraies solutions. Un film donc plein d'espoir qu'on accueille et reçoit avec joie. Le film demain remporte un grand succès. Il comptabilise déjà plus de 500 000 entrées et a été financé en grande partie par plus de 10 000 personnes. Et dernièrement, il a même été nominé aux Oscars. Ce qui a également plu à quelques enseignants présents ce jour, c'est que les réalisateurs du film vont même un peu plus loin puisqu'ils proposent des outils pédagogiques que l'on peut retrouver sur une plateforme. Une nouvelle histoire donc s'écrit et en inspire plus d'un. Gilbert, Linda, bonjour. Bonjour. C'est pas commun de voir une exposition de photos dans un cinéma. Alors vous êtes président de l'association les Artistes. Les Artistes d'Ali Stern, voilà, tout à fait. Donc les Artistes d'Ali Stern, c'est en fait une rencontre entre un éducateur en fait et un agent artistique. Et donc une jeune association qui démarre pour justement proposer des films engagés et engageants aussi pour le plus grand nombre et amener justement les gens à voir ce qui se passe dans les initiatives positives dans le monde. C'est pour ça que nous allons assister à la projection du film demain. Exactement. Donc nous, on a parlé de ciné-rencontre. Donc demain, effectivement, au niveau de cette notion de ciné-rencontre, c'est présenter, on va dire, plusieurs choses. Donc une expo, entre autres photos, que vous pouvez découvrir avec un petit film. En même temps, il y aura un artiste qui s'appelle Alexandre qui va jouer du hang, pour ceux qui ne connaissent pas, qui pourront découvrir. Et par la suite, le film qui sera suivi donc d'un échange, et un partage. Alors, est-ce que ça a été difficile de pouvoir permettre que ce film passe ici dans ce cinéma, qui est quand même un grand cinéma à Latte ? Alors, difficile, surtout, avant tout, c'est une rencontre. Donc, Guillaume, qui est une personne qu'on a rencontrée avant tout, avant cette ouverture pour le cinéma, il y a eu un partage qui nous a parlé aussi de ses différents engagements. À partir de là, on a pu tomber d'accord, puisqu'on était sur la même longueur d'onde. Et à ce moment-là, il nous a proposé de nous ouvrir son cinéma, puisque nous, le but, c'était quand même d'ouvrir ça au plus grand nombre, peut-être à des cinémas qui ne sont pas engagés du tout dans ce genre de film. Et donc, pour que le plus de gens possible qui ne sont pas dans cette démarche puissent voir ce film ou ce genre de film engagé. Alors vous, comment avez-vous eu connaissance de ce film ? Alors demain, c'est un coup de cœur parce que je pense qu'il y a eu des précurseurs, entre autres Colibri, qui proposait des films. Donc on peut dire Solution locale pour un désordre global qui est de Colline Serrault était une des précurseuses de ce genre de film. Et donc après, par la suite, y a des films qui ont été présentés. Et demain, on a fait partie, donc on l'a découvert sur Internet à travers une bande-annonce. Et voilà, donc on a eu un coup de cœur en l'envoyant en avant-première. Et ça nous a tout de suite donné envie de suivre et porter ce film pour qu'il soit vu par le plus grand nombre.
Donc vous avez contacté les réalisateurs, qu'est-ce que vous avez fait ? Alors ça s'est fait en plusieurs étapes. Alors on a contacté effectivement Mars Distribution qui nous a parlé justement qu'il y avait une possibilité de présenter le film. Et puis on leur a posé notre projet qui était déjà dans un premier temps de faire des ciné-rencontres et puis après de le présenter pour les étudiants et que le plus d'étudiants possible puissent le voir. Ah, vous avez vraiment, vraiment du courage et puis merci. Hein. Alors là, je crois que c'est le directeur du cinéma qui est arrivé. Alors, voilà, donc Guillaume Dos Santos, qui, comme je vous l'ai dit, le directeur du CGR, donc qui nous a rejoint après par la suite dans l'association et qui travaille donc activement au niveau de la communication. Voilà, tout à fait. Alors vous, quel a été, quand vous avez rencontré donc Gilbert et Alice, oui. Quelle a été votre réaction de voir des gens engagés comme ça pour le bien de tous ? Bah, en fait, déjà, moi j'étais déjà plus ou moins engagé dans ma tête. Et cette rencontre, elle s'est faite par hasard, puisque c'est lors d'une demande par mail, en fait, que j'ai repoussé parce que j'étais pris dans plusieurs projets professionnels. Et puis un jour... ayant pris le temps d'y répondre, ayant échangé après avec Alice par téléphone, on s'est rencontrés. Et puis bon, moi, ça m'a donné du baume au cœur et ça m'a donné envie de profiter de mon poste et du fait que je puisse, que je sois à la tête d'un cinéma et donc qu'on véhicule des messages, qu'on véhicule des films. J'ai voulu profiter de ça pour véhiculer aussi des films un petit peu différents qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le type de salle que je représente. Et donc mettre ça au service des gens, au service du partage. Comme tout à chacun devrait le faire à mon sens. Et moi je profite de mon poste en fait et de la visibilité que je peux donner, du moins avec les moyens que j'ai, parce que j'ai pas toutes les cartes en main, je profite de ça pour en faire partager tout le monde. Alors donc c'est un message aussi à vos collègues ça ? Oui, après j'ai de leçons à donner à personne, je veux pas rentrer dans le fait de dire je sais pas ce que je fais ça, vous devez le faire, moi c'est une conviction personnelle que j'essaie d'allier avec des possibilités professionnelles. Après, comme je l'ai dit, pour moi, tout un chacun devrait le faire. Après, si eux, ils ont envie de le faire différemment, je ne sais pas, peut-être que des collègues directeurs de cinéma le font d'une autre façon. Je ne veux pas imposer ma façon de faire. Moi, je profite de ce moyen. Tant que j'en ai le moyen, je le fais. Si demain, je n'ai plus les moyens, je trouverai d'autres solutions pour le faire d'une autre façon. Mais si chacun pouvait le faire, tant mieux, j'ai envie de dire. Je pense qu'on donnerait la possibilité et la visibilité à ce genre de film, à ce genre de choses, avec une plus grande ampleur. Mais maintenant, je ne suis pas là pour donner des leçons, loin de là. Non, mais donner des exemples, par contre, on peut. Hein. Donner des exemples, oui. Après, je n'ai pas non plus la prétention d'être un exemple, mais je pense que c'est une bonne initiative. Voilà. Sinon, je ne serais pas là à vous parler et à défendre ça. Maintenant, effectivement, oui, si d'autres sont intéressés par ça, il y a un CGR à Auxerre, hein, de toute façon. Je connais très bien le directeur, Gérard. Je passe le bonjour s'il nous regarde. S'il est intéressé par ça et qu'il arrive lui aussi à pouvoir profiter de cet élan, pourquoi pas. Le CGR de Narbonne va présenter le 7 mars, si je ne dis pas de bêtises, le film Alphabet. C'est ça ? Ou demain ? Non, demain. Demain, voilà. Demain. Le 7 mars, on présente à Narbonne, voilà, parce que la directrice adjointe est une amie, le directeur, je le connais bien aussi, et ils ont vu un petit peu les résultats qu'on a fait le 14 décembre dernier. Et, ils ont déjà projeté Alphabet là où ils ont fait 150 entrées. Donc, petit à petit, ça se démocratise, tant mieux. Ça veut dire que ça... Et nous, on va faire Alphabet ici le 12 mars. Voilà. Alors, Alphabet, ça consiste, le film, c'est ? Alors, c'est plus un film sur, on va dire, sur l'éducation, enfin, comment on pourrait dire ça ? Une remise en question sur l'éducation ou l'apprentissage. Voilà. Donc, qui pose des questions en fait, sur notre façon de concevoir l'apprentissage. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre manière de concevoir l'apprentissage ? Autre que celui prodigué par l'éducation nationale, sans tout jeter. Il y a toujours du bon et du mauvais. Aujourd'hui, je crois qu'on a atteint les limites et qu'on s'y regarde les exemples sur d'autres pays, notamment des pays comme la Finlande ou la Norvège, on voit qu'ils s'inspirent d'autres systèmes d'éducation. Est-ce que nous, en France, aujourd'hui, on n'arrête pas d'entendre partout qu'on a atteint les limites de notre système éducatif ? Et Alphabet propose des solutions. Voilà. On est là pour proposer des solutions, oui. Peu importe les films qu'on diffuse, en fait. Voilà, en fait, c'est tout optimiste, c'est-à-dire optimiste, mais réaliste quand même, parce que ça existe déjà. Bien sûr, bien sûr. Donc là, aujourd'hui, on travaille sur 4 films, qui sont, l'association travaille sur 4 films, qui sont En quête de sens, Demain, Alphabet et Être devenir. Donc 2 qui sont plutôt basés sur l'éducation et 2 qui sont plutôt basés sur les solutions environnementales pour le monde de demain. Et c'est pour ça qu'on le présente aux enfants, enfin aux élèves et aux enseignants, parce qu'on estime que ce sont les élèves d'aujourd'hui qui construiront le monde de demain. Donc c'est eux les priorités, j'ai envie de dire. Nous, on est dans la réaction, il faudra qu'eux soient dans l'action. Voilà.
Eh bien, en tout cas, merci, hein, merci de la part de tout le monde, parce que franchement, on a besoin de voir un peu de solutions au lieu de voir que des problèmes toujours. Il y en a des solutions. À chacun de traiter l'information comme il le souhaite, mais les solutions sont là. Merci. Avec plaisir. Comment raconter tout ce que nous venions d'entendre à des gens qui en ont assez d'être angoissés par la catastrophe et comment mobiliser largement? Nous sommes allés dans le sud de l'Angleterre en parler avec Rob Hopkins, le fondateur du mouvement de la transition. C'était l'une des seules personnes à qui je pourrais penser pour nous aider à trouver une autre façon d'envisager le problème et une autre façon d'agir. It's fascinating how, as a species and as a culture, we are brilliant at imagining our own extinction. And our own demise. You know, we make films about whether we're all wiped out by zombies or nuclear bombs or diseases or robots or aliens or little funny gremlins or all sorts of different things. We're brilliant, we love those. But where are the films about us actually turning something round and solving a problem? We don't really have those films. We're terrible at it. And so actually those stories are so important, because when the climate scientists say, if you want to keep the biosphere on this planet within the boundaries in which human civilization emerged and flourished, and everything that we associate with our history has happened within, you need to start cutting emissions now by 8, 9, 10% every year. Well, the problem is, we don't have the stories that go with that. We see that as a story of less and of moving away from something. And if you say to people, what would it look like in 20 years' time if we'd started cutting our emissions by that much every year, what would it be like? For many people, it's sitting in a cold cave eating rotten potatoes. It's the end of the world. It's the end of the world. But actually, it could be fantastic. Merci, dame. Bonjour. Alors, vous êtes venu là cet après-midi pour voir le film demain. Comment avez-vous eu déjà cette information? Avec les Enfin, sur Allociné, en fait, en regardant les extraits des films. Et qu'est-ce qui vous a... Vous savez de quoi il s'agit? Un tout petit peu, en fait, dans les extraits, il y avait Mélanie Laurent, et avec les extraits, ça présentait les différents projets, et l'idée de projets sur différents endroits de la Terre, dans le but de préserver l'humanité et le monde dans lequel on vit. Donc voilà, ça, le sujet m'intéressait. C'est assez rare, hein, d'avoir des films positifs comme ça. Tout à fait, on en voit un petit peu, mais plus sur des chaînes, pas des grandes heures au public. Et c'est intéressant de travailler sur le positif et pas sur le négatif. Merci beaucoup, bonne... Merci. Vous êtes venu avec votre petite fille, elle a quel âge? Elle a 9 ans. 9 ans. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à venir voir ce film demain? Enfin, aujourd'hui, mais demain. C'est un projet que je suis depuis le début, puisque j'ai participé à la collecte Kizzbangbang. Donc du coup, bah voilà, on vient enfin voir le résultat de ce projet. Puis j'ai voulu emmener ma fille, puisque c'est l'avenir de demain. Donc voilà. Alors elle sait ce qu'elle va voir, là, la petite? Oui, elle a vu la bande-annonce. Après, elle se demande un petit peu. Mais... Comment tu t'appelles? Aloïse. Et puis alors, tu sais ce que tu vas regarder, là, cet après-midi? Un peu. Un peu? C'est comment prendre soin de notre terre, c'est ça, un peu? Ouais. Super, ben merci. 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 Bon film. Merci bien. Eh bien, là on voit des étudiants avec vous, Gilbert et Alice. Vous les avez rencontrés avant le film? Alors oui, tout à fait, on les a rencontrés. En fait, on a fait une présentation du film Enquête de sens au lycée Champollion. Et donc, il y avait toute une équipe éducative, plus une classe de BTS, donc dont ces élèves font partie. Et ça nous a permis donc de les inviter pour cet événement. Super, merci. Donc Charles, un étudiant de BTS, première année. Deuxième année, pardon. Génie optique photonique. Voilà. D'accord. Ouais, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, donc j'ai voulu prendre suite. Super, et puis alors... Clément, je suis dans la même classe que Charles. Le premier film m'a vraiment intéressé, du coup j'ai voulu voir ce film aussi. Mmh. Moi je suis salarié, je suis un ami à Charles, et il m'a dit de venir. Donc, Ah bah c'est bien, alors qu'est-ce que vous pensez justement de faire comme ça, diffuser un film sur l'optimisme, c'est-à-dire les solutions qu'on peut trouver? Bah, je trouve ça très bien, ça permet de passer un message global, surtout aux jeunes qui viennent souvent voir des films. Et je pense qu'il y a d'autres solutions aussi très innovantes, mais le film, c'est une bonne idée, oui. Alors, quand Alice est venue avec Gilbert dans votre école, qu'est-ce que vous avez remarqué de bien en eux? Déjà, ils dégagent de la joie, de la chaleur, et le message qu'ils ont souhaité nous faire passer
a bien été reçu pour ma part en tout cas. Eh ben merci, que ça se diffuse auprès de vos amis alors. Hein. Voilà. Allez. Merci. 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 Merci beaucoup, vraiment. Qu'est-ce qu'on a pensé de ce film ? J'ai trouvé très intéressant, beaucoup d'idées. Et je crois qu'on va prendre un petit peu le modèle. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Oh, ben tout, hein. Enfin, mon compagnon s'occupe d'un jardin partagé, donc déjà on est sensibilisé. Et puis ben, tout, l'école, voilà. Plein de choses. En fait, on a choses, beaucoup d'idées, quoi. Et on va les copier. Vous allez les mettre en place. Voilà, complètement. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Super. Et votre fils, alors ? Bonjour. Pareil. Très instructif. Oui. Ça te plaît l'école comme il l'a présentée, là ? Oui. Oui. C'est un petit peu mieux. C'est mieux que ce que tu vis ? Deux, deux pour plein de mains. Merci. Merci à vous. Merci. Oui. Excuse-moi, j'enchaîne, c'est pas mal comme non, ça. Non, mais oui, vas-y. Messieurs, dames, vous pouvez nous donner un petit mot là pour les Web TV. Qu'avez-vous pensé de ce film, monsieur ? Très bien, il faut en faire plus, ce genre de film. Est-ce qu'il y a des choses que vous allez appliquer ? Trier peut-être plus les déchets. Je résiste un peu à ça. Donc ça vous a convaincu là ? Oui, oui, bien sûr, oui, bien sûr. Bon, après c'est bien que sensibiliser plus aussi les grands Manitou qui tiennent le pouvoir. On n'est pas non culpabilisé trop. Mais c'est un très bon film. Vous allez en parler à vos amis ? C'est déjà fait parce que je connaissais déjà, mais j'ai eu l'occasion de le voir aujourd'hui. Et bien sûr, pour ceux qui ne connaissent pas encore, à moins qu'ils soient encore diffusés. Voilà. D'accord, merci monsieur. Merci à vous. Disons que je suis une mamie et j'espère que ce film va être aussi édité aux Pays-Bas, aux États-Unis, partout. Il y a mes enfants qui habitent un peu partout dans le monde. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment très positif, mais il faut y aller. Et c'est vraiment, il faut travailler, il faut suivre. Et j'espère qu'ils vont continuer leur travail comme ça. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans le film ? Qu'est-ce que... L'énergie des personnes qui trouvent une autre façon de faire. Et c'est vrai, comme il dit à la fin, il y a juste un petit bout qu'on voit. Mais c'est le monde entier qui est en train de bouger. Et je trouve ça formidable. Vraiment formidable. Merci, madame. De rien. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. Et localement Bonsoir, monsieur. Alors, bonsoir. Ce film, qu'est-ce que vous en pensez ? Bah, super. Plein d'alternatives et des points qui créent de l'émotion parce qu'on s'aperçoit qu'il y a... Il y a plein de choses, quoi. Après, il va falloir pouvoir les retranscrire aux enfants, par exemple. Dans quel domaine vous avez trouvé, par exemple, que vous pourriez appliquer quelque chose ? Bah, dans une monnaie locale, déjà. Mmh. Parce que je me lançais dans une certaine activité et un des souhaits est de pouvoir, par exemple, échanger un service contre un bien matériel, par exemple, de l'alimentation, me dire... Je vous ferai un service et à côté, bah, un échange. Un échange, voilà. Ouais. Donc, ouais, ça, c'est un des points. Moi, tous les points m'ont apporté quelque chose. Ouais. Comment vous êtes venu ici ? Qui vous en a parlé ? Quelle a été l'information qui vous a amené ? Alors, je ne sais plus exactement. Par Facebook, j'avais par l'externe, je crois, j'avais à un moment donné. J'ai eu cette information-là. J'avais déjà vu le film En quête de sens. Et effectivement, comme il était dit à la fin, je trouve que c'est un bon complément. Vous allez en parler à vos amis ? Oui, oui, c'est sûr. Comme j'ai parlé d'En quête de sens, je parlerai de ce film-là. J'ai certaines pistes qui m'ont permis de sensibiliser les enfants aussi. Donc, d'accord. Je pense que c'est un film que je leur montrerai. Merci. Bonne continuation. Merci de vous. Au revoir. Qu'avez-vous pensé de ce film ? Ah, moi, j'ai beaucoup aimé parce que je connais les énergies renouvelables. J'ai vu un projet qui est en train de se développer à Paris, à Bagneux, le plus petit cirque du monde, qui est en train de se développer, de devenir et de prendre une dimension internationale. Donc, c'est magnifique ce qui se fait.
pour que les habitants et que les habitants profitent de ce cirque pour se rencontrer, pour échanger, tout ça, voilà, bon. Et je suis invitée régulièrement par la graine, qui me demande de participer à des réunions. Je n'y vais pas, mais ça m'intéresse parce que j'ai connu le sel. Je pense que ça devait être peut-être un peu l'ancêtre, je ne sais pas. Et ça, c'est pas tout à fait pareil. Non, et dans ce film, j'ai été admirative sur ce qui se passe en Inde et en Finlande. Et en Finlande surtout. Et je me demande comment font les enseignants pour arriver à obtenir des résultats pareils, parce que c'est magnifique, c'est superbe ce qu'ils font. Vous pensez que c'est possible, là, de commencer à changer J'en suis persuadée. Oui. J'en suis persuadée, d'autant plus que j'étais dans une école française européenne, donc je dirige une école française européenne. Et dans cette école française européenne, nous étions liés au Danemark, au Portugal et... Danemark et Italie. Et à l'Italie. Et nous avons eu le plaisir d'échanger nos façons d'enseigner. Et voilà. Et donc, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié le film. Je pense que ce film va être connu parce que moi, en tous les cas, j'ai déjà eu une information du côté du Lot-et-Garonne, une autre information du côté de Lunel, une autre de Paris. Donc, vous voyez, ça bouge. Voilà, ça bouge. Donc, c'est pas mal. Tout le monde va en parler. Ça va bouger. Et souhaitons que les gens prennent des initiatives aussi. Moi, je suis pour. Je trouve que ça, c'est sensationnel. Voilà. Merci, madame. Alors, bonne continuation. Il n'y a pas de quoi. Voilà. Cette histoire nous a fait du bien, non? Vous trouvez pas? Vous pouvez retrouver toutes les infos sur www.demainlefilm.com. Et moi, je vous dis à bientôt pour ensemble réenchanter le monde. Au revoir.